Et bonjour, internautatrices et internautateurs. On retrouve la Ligue du Cygne Noir dans Geldenbourg. Donc on retrouve nos personnages Onyx, Malvinette et Ardarine qui s'installent. Je me suis rendu compte que j'avais oublié l'un des fondamentaux de toute ville qui se respecte, à savoir un poste basique de recherche. J'ai également, donc ce sera Malvinette qui va commencer par faire les recherches. Ça tombe bien parce qu'il n'était pas très occupé. Je l'ai aussi mis à faire de l'artisanat parce que je vais avoir besoin de blocs de pierre. D'ailleurs, il faut que je lui dise de tailler toutes les pierres. Hop, en boucle pour les pierres qui sont pas trop loin. Voilà. Donc, il faut maintenant que je définisse une recherche. Le plus important, c'est de rechercher l'électricité dans un premier temps. Parce que. Enfin, les batteries, en fait. On a l'électricité, mais sans batterie, c'est quand même un peu la même merde. Il faudra que je me fasse d'ici peu un frigo. Je ne me suis pas fait de prison, je suis en train de me dire. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je vais me faire une petite prison au-dessus, parce que si jamais j'ai un raid, eh ben je serai content d'avoir une prison. Tac. Des Trumbos. Alors c'est cool, mais pour l'instant pas vraiment accessible pour moi. Je peux pas vraiment dire que j'ai de quoi faire. De quoi lutter contre les Trumbos. Hop, on va donc installer quelques lits en bois pour d'éventuels prisonniers. Hop. On va s'en préparer combien? Tac, tac, tac. Le cas échéant, je les séparerai. 1, 2, 3, tac. Voilà. Donc, les Trumbos, je n'en aurai pas. Qu'est-ce que donne le moral de mes compagnons? De nos compagnons. Dortoir horrible, ouais, forcément, il n'est pas top. Sommeil troublé, forcément. À manger sans table, bah, c'est pas une bonne idée. Souffre légèrement. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Ah oui, c'est ton œil gauche. Ça va te faire souffrir pendant longtemps. Hop. Ardarine chasse. Je sens que j'ai trop de bouffe. J'ai trop de bouffe. En plus, comme il fait très très chaud. Alors, ça, tu vas pas me les démolir, toujours. C'est très bien comme ça. Hop, j'ai besoin de couper les plantes. J'ai besoin d'une autre torche. J'ai vraiment fait trop de bouffe. Quelle heure est-il dans le jeu? Il est 23 h. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ouais, hop, allez. Bosser 1 heure de plus, vous me feignasse. Donc ici, ça sera ma prison. Prisonnier, tac.
Comme on n'est pas des sauvages. C'est vrai que ça manque un peu l'étape de 1 par 1. Tac. Pour l'instant, je vais en mettre qu'une seule. Tac. Hop. Tiens, dans les trucs que je pourrais faire également, c'est une commode. Ça les fera plus contents. Tac. Allez. On arrête de pioncer. Notre riz mûri. Hop, ça je le décale. Pour pouvoir faire. Tac. 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 Et voilà notre petite prison. Et Onyx s'est mise à rechercher, c'est une très bonne chose. Ardarine n'a plus rien à faire, mon Dieu. Ardarine, c'est construction, agriculture, médecine. Tiens, il faut que je te dise d'autres. Non, c'est qui mon meilleur médecin? C'est Malvinette. Pas du tout. C'est qui mon meilleur médecin? C'est Onyx, qui devra se soigner tout seul, comme une grande. Ça, je vais pas l'autoriser. Bon, ça manque presque un peu d'action. Écoute, Ardarine, si tu t'ennuies, je vais faire un deuxième poste de recherche. Tac, tac, tac. Voilà, tu tiendras compagnie à Malvinette. Hop. Et voilà. Et toi, tu t'es mis à faire, ça c'est très très bien, des blocs de marbre ou autre. Perdre de la bouffe. 21h, 18h. Clairement, je vais perdre de la bouffe. Je vais lui dire d'en faire davantage. Hop. Allez, 20. C'est bête ce que j'ai fait. Il faut d'abord que tu les fasses par 4 et ensuite que tu les fasses par 1. Bon, et puis on va peut-être passer à l'électricité rapidement, hein. Attends, je me disais aussi que je pouvais faire ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pousser d'intéressant? Tac. Qu'est-ce que je pourrais faire pousser d'intéressant? Alors, des psychoïdes pour... Ouais. Des psychoïdes, histoire de faire du thé. Et puis, je vais faire également du smoke leaf. On va faire des petits joints. Non, perdu. Là, on va faire hop. On va agrandir la zone ici, tac, tac et tac, voilà. Je pourrais également faire du coton. Ah voilà, mes premiers arrivages de riz. Le coton au début, ça peut servir si on a besoin de refaire des vêtements en plus.
ça. Hop. Alors, on va pouvoir commencer à faire de l'électricité. Ça manque presque un peu de d'activité. Bah oui, la veine de porc est perdue, forcément. Globalement, normalement, je ne devrais pas trop manquer de bouffe. Donc, on disait énergie. Je vais essayer de me faire de l'éolien. Je vais me mettre de l'éolien. Et ben juste là en face de cette magnifique zone de culture et une autre en face de cette autre magnifique zone de culture. Ici, en fait j'aurais pu l'étendre un peu plus ma zone de culture. Il faut que j'enlève ça. Tac. Comme ça en plus l'avantage c'est que c'est pas exactement au même endroit. Donc en cas d'attaque, ça pourrit. Voilà, je vais avoir besoin qu'il me fasse du coup une excellente solution pour le problème des éoliennes, c'est qu'il faut pas dans la zone là qui est en blanc, il faut pas qu'il y ait d'arbres. Donc l'idéal c'est de faire une zone de culture dans lesquelles je vais faire, je commence à je vais faire du blanc. Je sais pas si j'en ai, enfin je vais sans doute pas en avoir besoin tout de suite, mais tac, comme j'ai pas de problème de bouffe, non, est-ce que j'en ai, non. Donc l'avantage c'est que sur les zones de culture, eh ben, il va toujours couper les arbres. Donc j'aurai pas de problème d'arbres ici. Là on va se dire que ça ira aussi. Et là, il ne devrait pas y avoir d'arbres qui vont pousser. Je vais me faire des conduits, des câbles électriques. Plus tard on les fera souterrain. Tac. Allez, il a fait électricité. Tac. Tac. Et alors du coup, si ça c'est ma cuisine, il va falloir que. Non, j'ai pas de frigo en fait pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser ma cuisinière et mon établi de boucher pour l'instant. Je vais te démolir. Enfin, bon, c'est pas idéal pour l'instant. Pas génial. Température, je veux un climatiseur mural là, qui fasse du froid par ici. Tac, la cuisinière, on la réinstalle là. Alors, j'ai pas encore de courant. Pourquoi c'est ici? Voilà. Alors là, il va commencer à faire froid ici. Hop, on la met à moins 9. Donc il va falloir que je ferme cette zone-là. Et du coup, il me faut de la lumière ici, mais je vais pouvoir commencer à faire de
La lumière avec dans divers. Non, c'est pas dans divers. C'est dans mobilier. Les fameuses lumières murales qui sont quand même. Nettement plus classe et qui prennent surtout nettement moins de place. Que les lumières traditionnelles. Batterie nécessaire, oui, forcément. Il faut que je me fasse des batteries énergie. Ben non, puisque j'ai pas fini de la rechercher batterie. J'y suis bientôt. Alors, le compte pour chasser. Ah! Or, Opcas, Anvapes, un comte de l'Imperium brisé. Ses gardes ont été tués dans une embuscade, il s'est échappé, mais il est poursuivi par un rat en rage. Oh mon Dieu. Il faut qu'on assure sa sécurité pendant quelques heures. Ils ont 8 points d'honneur. Eh bah écoute, ça c'est dans Royalty. Les personnes. C'est suffisamment d'honneur pour recevoir un titre royal de mandataire. Bah, sans doute. Allez, accepte. Vas-y. Viens te protéger contre un vilain rat. Il semble me falloir un lit supplémentaire, du coup. Il l'a accepté ou pas? Ah, il faut que j'ai. Ah, d'accord, c'est un. Qui va accepter, on va dire. Allez, Onyx. Hop. Cette quête sera récompensée d'honneur et par conséquent apportera des titres royaux pour Onyx. Étant donné que Onyx est résistant psychique, le lien. Ah. Alors, donc pas pour Onyx. Malvinette, puisque jalouse, elle exigera de. Refuser d'accomplir certains types de travaux de manger. Eh ben, ce sera Ardarine. Alors. Oh, qui sont pénibles. Alors là, donc normalement, ce sera pendant quelques heures et on va avoir un vilain rat qui va venir. Un chasseur n'a pas d'un instant, des colons ont besoin de lit. Besoin d'un lieu pour méditation. Eh ben tu vas pouvoir méditer puisque j'ai un arbre, je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais on va te faire méditer ici. Il désigne un endroit de méditation. Psychosensibles peuvent méditer ici pour obtenir plus de concentration psychique. Si un objet focalisateur comme une sculpture se trouve à proximité, le psychosensible pourra se concentrer dessus pour augmenter son gain de concentration psychique. Bon, eh ben. On va aller méditer ici, même si je ne sais pas bien si ça sert à quelque chose, en l'occurrence en ce qui me concerne. Pas de nourriture acceptable. Ah, monsieur Neveu. Titre royal avec des besoins alimentaires spécifiques. Eh ben, ça promet. Il lui faut du gastro. Eh ben, super, j'espère qu'il ne va pas rester trop longtemps, lui. Hein. Est-ce qu'il va rester longtemps ou pas? Quelques heures jusqu'à ce qu'une navette puisse procéder à sa récupération. La navette arrive en 3 heures. Bon, ça devrait aller. Hein. Pendant ce temps-là. Allez, va me faire un quatrième lit. De toute façon, ça servira tôt ou tard. Et tant pis s'il est que normal là. Oh mon Dieu, le rat qui suivait. C'est terrible. J'ai vraiment très très peur. Bon, ceci dit, il peut toujours me blesser, hein, mais. J'imagine où qu'il est. Hop. Allez, on mobilise tout le monde. Allons à la chasse au rat. Allons protéger le comte Anne Vapès. Ça rigole pas, je te jure. On va lui dépouiller sa tronche. Allez, qu'ils viennent. Ouais. Pan, 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 pan. Allez.
Bim! Ouais! On a tué le vilain rat. Hop! Oh, Anne-Vapès, il me fait de la recherche. Oh, bien. Écoute, on va pas cracher dessus, hein. C'est pas vraiment dire que j'en avais besoin, mais. J'ai beaucoup de bouffe, en fait. Je pourrais faire des plats raffinés. Navette arrivée. Youhou! Rigole pas l'impérium. Hein. Prise de défense manœuvre. Il faut peut-être que je lui dise de monter dans la navette, d'accord. Allez, ouf. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Quête achevée. Superbe. Quête disponible. C'est une promotion. Un mandataire pour Ardarine. Alors, l'Imperium est prêt à accorder à Ardarine le titre de mandataire et le pouvoir d'un lien psychique de niveau 1. Lors d'une cérémonie de promotion, l'émissaire arrivera par navette et effectuera la cérémonie. L'émissaire n'accordera un titre que si les conditions requises pour la salle du trône sont satisfaites. Il y a une chance de gagner de l'honneur supplémentaire selon le nombre de spectateurs assistant à la cérémonie. De plus, chaque spectateur gagne un bonus d'humeur. Vous pouvez trahir l'émissaire pour voler les neuroformateurs psychiques. Oh là là. Ça, je ne ferai jamais ça. Mais cela fera de l'Imperium brisé votre ennemi. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite. Si vous la manquez ou si vous êtes recalé à cette cérémonie, il y aura une autre opportunité plus tard. Si l'émissaire ou les gardes sont blessés pour une raison quelconque, il y aura des conséquences diplomatiques. Alors, Ardarine gagne un limp psychique et le titre de mandataire. Le titre d'impérial de mandataire mais pour celles et ceux qui servent un noble seigneur. Blablabla. Bien que ce ne soit pas un titre de noblesse, il donne au titulaire le droit d'utiliser des capacités psychiques de bas niveau, souvent détenues par les soldats de haut niveau, des pilotes de chasse, des espions, des conseillers diplomates. Titre à gagner de l'Imperium brisé, un propriétaire foncier, Simon. D'accord, écuyer, chevalier, prêteur, baron ou comte. Et par contre, on ne peut pas être ça, en tout cas dans l'immédiat. Donc là, ça le ferait mandataire. Ok. Formidable. Les liens psychiques, connexion organique à un champ psychique plus large. Permet à une personne d'utiliser des pouvoirs psychiques spécifiques qu'elle a appris pour influencer la réalité d'une manière qui semble impossible. Des niveaux plus élevés. Provient de diverses sources. Mal compris par les scientifiques. Ok. Bon. Eh ben. On verra bien. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est que les conditions requises par la salle du trône. Donc, il est propriétaire foncier, ne peut pas être hérité. Bien. Bon. Je suis pas sûr d'avoir une salle du trône donc, en ce moment, donc je vais peut-être pas le faire. Là, je peux le démolir, ça aussi, maintenant. Et je vais remplacer. Ouais, bon, pour l'instant, on va pas trop faire cette quête-là. On va attendre un peu. Je vais remplacer mes murs de bois par des murs de pierre. Je commence à en avoir un peu. Des blocs de marbre. Donc, on va repartir en mode lent. Structure. Et on va aller chercher des murs en marbre. Hop, 70, 75. Petit à petit. Là, je vais faire du calcaire. Tac. Allez, on avance.
la batterie. On va aller chercher. On va aller chercher quoi ensuite? Je me suis fait TPK, c'est ça, hein? Ouais. C'est des drogues sociales. J'en ai fait. Il a besoin de quoi? Produit chimique Yayo. C'est ça hein, que j'ai fait, je crois. Ça fait. Ah oui, d'accord. Oui, du coup, j'ai pas fait de recherche. Bon, on va aller chercher des trucs comme les mortiers. Ça peut servir, a priori. Il me faut des batteries maintenant. C'est indispensable. Énergie. Les batteries, on va les mettre là. Quatre batteries histoire d'avoir un peu de stock. Allez, on accélère. On va aller chercher hop. Ah oui, j'avais dit faire des plats raffiné, pas gastronomique mais raffiné, cuisiner un plat raffiné, non fois 4, cuisiner des plats raffinés, tu vas faire en sorte de m'en faire une vingtaine également, et plat raffiné fois 1. Jusqu'à en avoir là, on va en faire que 10 du coup. En psychique apaisante pour les femmes, non, tout à l'heure. Elles étaient vénères et éclipse. Bon, on s'en fiche. Maître des ragoûts. Vais la prendre. C'est quoi? C'est les nudistes. Ce qui peut être intéressant. Faut pas se mettre mal avec les nudistes. Et on va se faire une quatrième batterie ici. Je pourrais faire d'autres lumières. Tac, tac, tac. Là également. Hop, et hop. Je suis pas sûr que. Ça va éclairer, c'est pas très très grave si ça éclaire pas tout de suite. C'est bon. Hop, tu peux me démolir ça. Et ça. Si j'allais chasser. Bon, c'est de la bouffe. Si ça me permettrait de faire des plats raffinés. Les plats raffinés sont intéressants parce qu'ils donnent un bonus de morale. Donc, où est-ce qu'on a des bestioles? Pas trop trop loin. Là, on a des bouquetins. Allez me chasser ça.
Ça c'est du ratalope, ça fait boum, on évite, enfin quoi que. Hop. Alors du coup j'ai dû rater un truc parce que fête d'Arkism, 6e avril mai, j'y suis. Soirée danse avec de la musique forte, les participants s'y retrouvent, échangent et dansent pour s'amuser à se rapprocher selon la qualité du rituel de moins 3 plus 16 pendant 6 jours. Formidable. Ah, une boule à facettes, objet de concentration. Une boule à facettes ou un lieu rituel. Alors, et ben. Une série pour changer les rôles sociaux. La personne qui change de rôle prononcera un discours pendant que les autres se rassembleront. Ok. Alors, donc, il me faut une boule à facettes ou un lieu rituel. Alors, c'est dans les trucs divers. Balise de départ comme pour les vaisseaux. Bon, là, je m'en fous un peu. Ah, il parlait de rituel. Ah, lieu rituel, donc c'est ce que j'ai construit là. Bon. Bah écoute, quand ils se réveilleront, ils iront faire la teuf. Et puis on verra, je teste en même temps, éclipse se termine. Là, il me fait moins 9 là-dedans, donc ça permet que ce soit bien réfrigéré. Pourquoi est-ce que là, ça n'a pas l'air d'être relié? Est-ce que ça se charge pas là? Alors, on a dit fête de l'Arkim. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Une soirée dansante, elle est musique forte. Dure attendue 2 heures. Chance de résister à une qualité. Ah ouais, d'accord. Commencer à la boule à facettes, haut-parleur actif. Les attentes sont très faibles et la pièce est clairement pas ouf. Ok. Bon alors, est-ce qu'on ferait une boule à facettes? Dans divers, si j'y étais. Allez, on va faire une boule à facettes et on va faire des haut-parleurs. Boum, boum, boum. On verra ce que ça donne. Voilà, donc on a le premier plat raffiné qui arrive. Allez. Et alors, si là je fais maintenant. Faites commencer à la boule à facettes, non. Oh, c'est nettement mieux. Qualité attendue, 59. J'ai 2 haut-parleurs sur 6. Une pièce qui est quand même vraiment pas ouf. Si je fais là. Ah, c'est mieux. Oh, c'est beaucoup mieux avec la boule à facettes. Allez, c'est parti. Commencez. Fête de l'archisme a commencé. Youhou! C'est la grosse teuf. Ouais, Onyx n'a pas l'air de s'amuser comme une folle, mais. Tant les autres. Ah, si, ça y est. Ouh, amusante fête de l'archisme.
était amusante, tout le monde a apprécié la pause de la vie quotidienne et a bien dansé ensemble, toutes les personnes participent. Plus suite du maire pendant 6 jours, formidable. Hop. 79%, plus de... Points de développement ont augmenté de plus 6. Comme je sais pas ce que c'est, je suis content. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh ben, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que je vais quand même regarder un petit peu. Ah, ça doit être là. Développement, c'est ça. Puis cette idéologie est si nouvelle et a si peu d'adeptes sur sa planète, elle est fluide. Cela signifie qu'elle peut se développer avec le temps. Développer l'idéologie coûte des points de développement. Vous pouvez gagner des points de développement en accomplissant des rituels ou des quêtes liées à cette idéologie. Avec suffisamment de points de développement, vous pouvez réformer l'idéologie avec de nouveaux mêmes préceptes, styles, etc. D'accord, convertir. Et un certain nombre de rituels différents. D'accord. Ok. Ah oui, je peux faire un spécialiste chercheur. Mais pour ça, ce serait mieux que j'ai quelqu'un qui soit un peu content. Quand il fait de la recherche, ça fait partie des défauts de mon groupe. C'est que même si Onyx n'est pas trop mauvais en recherche, il a 7. C'est pas pour lui un... Elle, pardon. C'est pas pour elle un... Comment? Un truc où il y a une petite flamme. C'est vrai que j'en ai pas parlé, si vous connaissez pas le jeu. Oui, ça c'est les trucs qu'ils apprécient particulièrement. Ça leur permet de gagner des boosts, de progresser plus rapidement. Alors que s'il n'y a pas de passion, bah, l'apprentissage est plus lent. Et puis, bon, ils apprécient moins de le faire. Ils ont besoin de faire régulièrement des choses qui leur plaisent. Non, ils sont pas contents. Et au niveau des besoins... Ah, il faudrait un technologiste. Ok. Bon, et ben vous savez quoi, je vais arrêter cet épisode maintenant. Je vais regarder un peu ce que c'est que les technologistes. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des noms, des fois qu'un jour, j'arrive à recruter quelqu'un. Voilà, pour participer au développement de Geldenbourg pour la tribu du Cygne Noir. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée.